Harry disputa un match de Quidditch contre Serpentard et un cognard fou lui cassa le bras. Bienvenue à la ménagerie magique. Il n'y a pas vraiment d'ambiance de... C'est mieux comme ça? Que désirez-vous? Pourrais-je avoir des chrysopes, s'il vous plaît? Oui, j'ai des chrysopes en stock, mais elles se cachent dans l'une de ces boîtes. Si vous en attrapez 5 et 5, il faut toutes les attraper dans la limite, Faites attention, vous cassez tout. Maintenant, il faut recommencer. Très bien, vous avez attrapé toutes les chrysopes. Bon débarras. Allez, maintenant, du balai. Super, vous avez tous les ingrédients. Est-ce que tu as réussi à te procurer de la poudre de corne de bicorne? Oui, mais il a fallu que je me faufile la nuit dans le bureau de Rogue. Alors ça, c'est un truc que je ferai jamais, surtout la nuit. Tiens, j'ai le cisimbre et le polygonome. Et moi, j'ai la peau de serpent d'arbre, les chrysopes et les sangsues. Dans combien de temps le polynectar sera-t-il prêt? Il nous manque encore des ingrédients. Un petit morceau de crabe et goyle. Moi, j'ai déjà un cheveu de Millicent Bulstrode. Tu ne veux pas dire qu'on va se transformer en crabe? Tu sais bien que Malfoy a confiance en crabe et goyle. Il leur raconte tout. Bien sûr que oui. J'espère seulement que l'effet du polynectar... Mais oui, bien sûr. Écoute, Ron. Je crois que tu devrais voler quelques cheveux de crabe et goyle. J'ai un mauvais pressentiment. Viens, Ron. On va laisser Hermione préparer la potion. Ces toilettes-là! Ma vie ici. Poudlard est un véritable labyrinthe. Je te conseille de suivre le tapis si tu veux revenir dans la salle commune. Je crois que je ferais mieux d'aller me procurer des... Bonne chance! Thank you.
Viens, viens à moi. Que je te déchire. Harry, Crab, Goyle et Malfoy sont dans la grande salle. Ils sont membres du club de duel. Espérons que ce n'est pas Lockhart. Harry, t'es au courant? Malfoy est dans la grande... Ouais, et personne ne l'a... Pourquoi tu n'irais pas, Harry? Vas-y, Harry! Je suis sûre que tu peux... Mais c'est le célèbre Harry Potter! Tu veux te battre? Je te préviens, je suis un expert. Vas-y, Harry, tu peux y arriver! Fais attention aux bougies, Potter. Elles contiennent des sorts spéciaux. Tu vas avoir besoin d'aide, crois-moi. En garde! Allez! Bon sang! La reprise est remportée par Harry Potter. En garde! Allez! Pas ce que je t'ai enseigné, Harry. Si tu crois que tu as gagné, prends ça. Et c'est donc ça, Potter. Serpent sorcier. Oh, oh, oh. Ah.
Sifflant comme un furieux, le serpent se tortilla en direction de Justin Finch-Fletchley. Avant qu'il ne frappe, Harry bondit et cria « Laisse-le tranquille !» Enfin, c'est ce qu'il pensait avoir crié. Quand il regarda Justin, celui-ci lui lança un regard de colère. « À quoi tu joues ?» Le serpent retomba alors sur le sol, aussi docile qu'un tuyau d'arrosage. Mais pourquoi Justin et les autres le regardaient-ils d'un air effrayé ?« T'es un fourche-langue, Harry ? Tu nous l'avais jamais dit ?» Comme Harry ne savait pas ce que fourche-langue voulait dire, Ron le lui expliqua. « Tu parles le langage des serpents ?» Hermione lui dit que la célébrité de Salazar Serpentard venait précisément du pouvoir qu'il avait de parler aux serpents, et que toute l'école penserait maintenant que lui, Harry Potter, était l'héritier de Serpentard et responsable des attaques. Dumbledore n'était pas dans son bureau. C'était une pièce très intéressante, et Harry remarqua le choix-peau magique. Il s'en approcha, et le choix-peau lui parla. « Tu te demandes si je t'ai envoyé dans la bonne maison, mais je maintiens ce que j'ai déjà dit. Tu aurais eu parfaitement ta place chez les Serpentards. » Le cœur de Harry bondit dans sa poitrine. Il répondit au chapeau qu'il avait tort, lorsqu'il entendit un étrange caquettement derrière lui et se retourna. Il poussa un cri d'effroi quand l'oiseau s'embrasa dans un jaillissement de flammes, puis émergea des cendres encore plus beaux qu'avant. C'est alors que la porte s'ouvrit et Dumbledore entra. « Tu ne trouves pas que Fume sec le phénix est vraiment magnifique ?» Harry approuva de la tête, encore sous le choc d'avoir vu l'oiseau s'embraser. Dumbledore lui expliqua combien les phénix étaient des créatures fascinantes. « Ils peuvent transporter des charges très lourdes, et ils sont très fidèles. » Dumbledore dit qu'il ne pensait pas que Harry soit l'auteur des agressions à Poudlard, et lui demanda s'il avait quelque chose de particulier à lui dire. Harry pensa à la voix désincarnée qu'il avait entendue, et dans une frayeur grandissante, pensa qu'il était apparenté à Salazar Serpentard. Pour finir, il ne voulut pas en parler à quiconque. Maintenant que tout le monde sait que tu es un fourche-langue, ils croient tous que tu es l'héritier de Serpentard. Vous ne pensez quand même pas que c'est moi ? Bien sûr que non! Tu n'es sûrement pas l'héritier, Harry. Merci. Il faut qu'on finisse de fabriquer ce polynectar pour prouver que Malfoy est l'héritier de Serpentard, et tu seras innocenté. Ron, tu as réussi à te procurer des cheveux de Crabbe et Goyle? Oui, mais ce n'était pas facile, si tu veux savoir. Bon, je suis sûre que j'ai tout fait correctement. Lorsqu'on aura avalé le polynectar... Qu'est-ce qu'on fait? Chacun va en prendre. Ajoutez les cheveux et buvez. Je le sens pas, ce truc. Prêt ? Prête ! Toujours prêt ! 1, 2, 3. Ça va, tous les deux ? Ouais, c'est incroyable ! Hermione, tu n'es pas malade ? Non, non, tout va très bien, allez-y. Comme tu veux. On te retrouve ici, d'accord? Hermione a dit qu'on aurait du mal à se déplacer. Écoute, moi, il faut qu'on trouve... Regarde, un serpentard. Allez, suis-le. Ah.
Vous voilà. Vous êtes allé vous empiffrer dans la grande salle?
toilettes des filles. Ce sont les toilettes des filles. Elle est devenue folle. Jette un sort sur les objets volants avant qu'ils ne te touchent. Elle est devenue folle. Jette un sort sur les objets volants avant qu'ils ne te touchent. Tu es venu pour m'embêter comme les autres.